Bonjour les gars, bon du coup là je me suis arrêté un petit quart d'heure pour faire une pause sur l'aire d'autoroute dans le canton de Vaud, précisément à la côte. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les prix quand vous voulez faire une pause à l'aire d'autoroute et prendre un petit goûter. Allez c'est parti, on y va. Voilà c'est mon camion. Donc. Du coup là c'est la côte. Bon pour ceux qui connaissent pas, le gasoil vous avez vu 2,34. C'est assez violent. Ah, le coût de la vie en Suisse, il est vraiment au-dessus de la France. Donc pour les futurs frontaliers qui veulent tenter l'aventure en Suisse, certes, vous avez un bon salaire, mais le coût de la vie aussi, il est très élevé. Donc après, comme tous les frontaliers, on prend le salaire suisse, pratiquement. Bon, après... Les Suisses pensent qu'on ne consomme pas en Suisse, mais on consomme quand même en tant que frontalier. En tant que frontalier, ouais, c'est vrai que je consomme assez en Suisse. Mais on évite de payer un peu les trucs qui servent à rien. Voilà, j'ai une petite faim, donc j'ai envie de prendre un petit goûter à Coop. Ouais, du coup, vous voyez déjà les prix affichés, 18, ça va vite. Allez, bienvenue au prix le plus fort. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Bon déjà on va prendre un café. Bon je vais éviter tout ce qui est chocolat, tout ce qui est conneries parce que j'ai pris du poids et je veux maigrir. Vous voyez, par exemple mon petit jus c'est 1,95 ou 1,95. Ici on dit 1,95. Voilà, vous voyez un peu le prix, c'est assez élevé. Et vous avez les Kinder, ça va les Kinder. C'est pas cher. Après, si vous allez au rayon salade, tout ça, 4,95 pour du risotto. On va avoir des petits sandwichs froids. 6,50 les gars, 6,50 pour des sandwichs à la tomate. Ça par contre, c'est des trucs que je prends jamais. C'est trop cher. Après voilà, vous avez le fameux sandwich au thon. Il y a 4,95. Après sinon les petits sandwichs triangles les gars au saumon 4,95 aussi. Je pense que là il y a tout 4,95. Par contre la qualité des sandwichs sont extraordinaires, c'est pas comme ceux de France. Ils sont vraiment bons en goût. C'est pas mal. Moi je vais me diriger plutôt vers la machine à café. Du coup c'est un self-service. Hop. On va prendre un café. Là, alors vous voyez 2,90 small, vous voyez ça peut aller très vite, un petit small. Et bonjour, alors pour le café c'est ok et on va aller prendre des fruits pour pas trop grossir quoi. Les fruits c'est là-bas. Alors pour les fruits, alors c'est 95 centimes pièce pour les bananes, 80 centimes pièce pour les pommes. Voilà. Voilà, vous voyez un peu les prix les gars. Voilà. Sinon je pense que je vais prendre un petit jus aussi. Du coup les gars, bon je suis sorti de Coop. J'ai gardé le ticket pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour mon petit goûter. Bon j'ai pas été voilà. Je me suis pas trop écouté parce que j'essaye de maigrir là, j'ai un peu pris du poids, j'étais en vacances du coup à Marseille parce que je viens de Marseille de base, donc voilà je suis un peu allé voir la famille tout ça. Donc pour un petit café voilà je vous montre le ticket. Voilà, pour un petit café 2,90, une banane, non attendez je regarde, une banane, non une pomme 0,80, donc 80 centimes. Pour une banane, 0,95, ça fait 95 centimes. Une nectarine, 0,80, 80 centimes. Et une tarte aux pommes, 3,20. Ça fait un total de 8,65 pour un petit goûter. Voilà les gars. Hop. Voilà les gars, donc ce que ça peut vous coûter. Sinon, dédicace au portugais. Voilà les gars. Allez, je vous laisse parce que moi j'ai du travail. Ciao.